Bien. Donc, cette partie, je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration pratique. Donc, la topologie sur laquelle on va travailler, c'est ça. Donc, on va commencer par la topologie frame-relay Ravensbrück à liaison multiple. On va commencer par le multiple. Donc Ravensbrück, déjà, ça c'est j'ai un DTE, un routeur Casa, j'ai un autre routeur Marrakech et un autre routeur Tanger. Le nuage frame-relay, c'est ça, cloud frame-relay. Donc derrière le routeur Casa, il y a le LAN, il y a un LAN, un réseau local. L'adressage est 20.0.0.24. La même chose derrière Marrakech, il y a un réseau 30.0.0.24. Et derrière Tanger, il y a un réseau 40.0.0.24. C'est-à-dire trois réseaux locaux. Et chaque DTE, ça ce sont les DTE Casa, DTE Marrakech et DTE Tanger. Frame relay, vous remarquez, il y a serial et vous remarquez had. Petite horloge ici, ça veut dire que ce lien il est DC2. Donc, les liens du fournisseur, tous les liens ils sont DC2 par défaut. Donc une fois vous créez le nuage, les interfaces des nuages ils sont tous DC2, ils vont représenter un commutateur frame-relay. Donc j'explique maintenant la topologie et après on va la configurer. Donc, c'est-à-dire l'entrée maintenant, puisqu'on a un hub and spokes. Donc hub and spokes, c'est-à-dire que la topologie, j'ai un PVC ici et j'ai seulement un autre PVC. Donc N-1, vous rappelez. Donc, pour avoir le nombre de PVC dans une topologie Ravensbrück, N c'est le nombre de DTE moins 1. Donc j'ai 3 DTE. 3 moins 1, ça fait 2. C'est-à-dire j'aurai seulement 2 PVC. L'entrée du premier PVC, c'est 100. J'ai dit, si vous vous rappelez, dans la partie théorique, les DLCI, ils ont une signification locale. C'est-à-dire ils ne doivent pas être répétés sur le même DT, une même entrée. Par contre, ici, je peux avoir ici 100 et aussi ici 100, sans problème. Donc l'entrée et la sortie, ils peuvent être même DC, ça n'a pas de, ils sont pas locales, les adresses. Ou la même chose ici, je peux avoir 100 et 100 puisqu'il ne s'agit pas du même DTE. Par contre, ici, je ne peux pas avoir 100 et 100. Donc, 200, un exemple. Parfois, dans des scénarios, ils peuvent, c'est-à-dire dans des, les énoncés d'examen, ils peuvent vous préciser. Par exemple, ils peuvent vous dire, ici, l'entrée, c'est DLCI 102. Et ici, ils vont inverser. DLCI 201. Tout simplement, parfois, on a ici R1. R2, R3. Donc DC 102, c'est-à-dire qu'il veut dire 2, R1 vers R2. 1, 2, d'accord? Ou l'inverse, c'est-à-dire ici 200, c'est-à-dire de R2 vers R1. De même, l'autre DCI, ils vont avoir 103, et ici l'inverse, 301. Parfois, on peut faire ça pour ne pas se perdre. C'est-à-dire, je sais que 103, c'est le PVC qui va de R1 vers R3. Et 301, c'est-à-dire, c'est l'entrée, c'est R3, et la sortie, c'est R1. Mais, comme j'ai dit, DCI, c'est à vous de choisir. Et il faut choisir entre 16 et 1007. Parce que les autres, ils sont réservés. Ce que vous avez, c'est entre 16 et 1007. Vous avez le droit
de choisir n'importe quel type de désir. Il faut aussi prendre en considération que les numéros de désir, ils ont une signification locale, tout simplement. Ils ne doivent pas se répéter ici. Je ne vais pas avoir 102 et 102. Non. Voilà, donc j'ai adressage, on a dit liaison multipoint, c'est-à-dire on voit. C'est comme si le nuage fait brûler, c'est un commutateur. Et si le nuage est un commutateur éternel, remarquez, les adresses, ils appartiennent au même réseau. C'est-à-dire, toutes les interfaces DTU qui sont connectées au frame relay, il appartient au même réseau. Multiple. Donc j'ai une topologie hub and spoke, deux seulement, trois DTE et deux PVC. Et la liaison et les multipoints, c'est-à-dire tous les DTE, ils appartiennent au même réseau. D'accord ? Topologie d'éclair. C'est bon ? La main, s'il vous plaît, la topologie d'éclair. Pour voir la configure. Les autres ? Très bien, d'accord. Donc, première configuration, on va la faire Packet Tracer. Tout simplement parce que le cloud de Packet Tracer, c'est-à-dire il a plus d'options. Donc, on peut faire la même chose dans GNS3. Le commutateur, le nuage frame 3, frame relay dans GNS3, il n'a pas beaucoup d'options. C'est pour cela que j'ai jugé important de commencer par Packet Tracer, tout simplement parce que le frame relay, le nuage frame relay, il a beaucoup d'options. Donc une fois, on le fait une seule fois, là, vous pouvez avoir la logique et on peut aussi le travailler dans GNS3. Donc par la suite, on peut travailler dans GNS3. Mais le premier TP, on va le faire dans Packet Tracer. Donc moi, pour ne pas perdre assez de temps, j'ai déjà préparé la topologie, mais il n'y a rien dedans. On va le configurer de toutes pièces. Et la mise en place des ordinateurs, des routeurs, des nuages, je l'ai déjà fait. Voilà, donc ça c'est la topologie en même. Et là, le nuage frame relay. Donc, si vous cliquez ici, hein, vous voyez, là. Il y a ici un bouton. Si vous cliquez dessus, donc le one, hein, nuage one, il y a ici des périphériques one. Bon, il y a un premier générique, il y a un deuxième générique. C'est ça les nuages frame relay. Quelle est la différence? Donc, si vous mettez ça, double-cliquez, le premier one, ou là, le premier nuage frame relay, c'est un commutateur frame relay, un grand commutateur frame relay. Pardon. Un grand commutateur frame relay qui a des interfaces déjà intégrées série. Hein. Remarquez, ici, cette partie, c'est des interfaces série, aussi avec une interface. Donc ça, ce sont des interfaces one. Remarquez. La fibre aussi, c'est-à-dire il est plein. Il a déjà. Des modules intégrés et vous avez deux autres modules vides, vous pouvez les ajouter ce que vous voulez. Le deuxième, c'est la même chose, juste à côté, c'est la même chose, sauf que il est vide, c'est-à-dire il a des ici des modules, mais ils sont vides, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme module. D'accord. Là, vous cherchez ici, vous cliquez, vous avez l'image ici de ce que vous avez sélectionné. Une fois que vous avez l'interface cherchée, par exemple ici, donc serial, vous pouvez les intégrer. La même logique. Mais si vous voulez un qui est déjà, qui a des interfaces sérielles intégrées, là c'est le premier. Le deuxième, il est vide. Voilà, c'est ça ce que j'ai mis ici. Donc je vais supprimer. Et nous allons commencer
Je vais configurer entre mille les interfaces, les adresses IP dans les interfaces. Je vais commencer par routeur Casablanca. La première interface Casablanca, il a deux interfaces. Il a interface face 00 et face et serial 000. D'accord. Serial 000, il est lié au nuage frame relay, et l'interface fast 00 il est lié là. Voilà, donc ça se voit ici, le routeur Casablanca. Donc je vais commencer par interface fast 00 IP adresse 20.0.0.1.255/24, d'accord. No, interface serial 0/0/0 IP adresse, donc cette interface, il sera à 10.10.1. Hein? La même chose, slash 24, 255, 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
du cloud framework. On a un, la configuration des interfaces DCE, les interfaces normalement sérielles, pour nous c'est série, les interfaces séries DCE. Quand vous configurez les interfaces DCE, normalement vous allez pouvoir créer les PVC. D'accord? Ou bien avoir voilà, créer les PVC. Deux, donc ça se passe en deux temps. Deuxième configuration, il y a configurer. Configuration du routage frame relay. Là ici on va dire création des, pour mieux comprendre, des DLCI, et ici maintenant c'est création, on va créer les PVC. Donc une fois que vous voulez configurer le nuage frame relay, il y a deux étapes. Première, c'est créer les DLCI, et deuxième, c'est créer le routage. Donc les DLCI, on va les créer dans les interfaces. Je vais revenir ici, maintenant la topologie, notre topologie. Maintenant, je suis dans le commutateur frame relay. Je vais directement aux interfaces. Je sais que l'interface sérielle 0 est connectée au DTE CASA. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une partie, déjà, je dois voir par défaut l'interface, elle est activée. Donc, vous voyez un on ici. Si il est désactivé, c'est-à-dire l'interface sérielle 00, il est désactivé. Donc, par défaut, normalement, je dois voir ça on. Il y a le LMI. Vous vous rappelez LMI? Local Management Interface, le langage que va utiliser le DTE avec le DCE. Hein? Langage commun, il doit être le même. Par défaut ici, il me donne Cisco. Remarquez, si j'ouvre cette liste, j'ai ANSI ou j'ai le Q933A. Or, donc si je vais choisir un exemple, Q933A. Maintenant, je suis ici. Je configure le DCE avec LMI. 903 33. Voilà. Essayez de vous rappeler, c'est-à-dire maintenant, quand par la suite on va configurer DTE, je dois informer DTE qui va utiliser aussi le LMI Q903, sinon la communication ne passe pas. Donc ils doivent parler le même langage, le même type LMI. Maintenant, j'ai ici un volet DLCI, j'ai une partie pour préciser DLCI. On va garder la même chose. Donc j'ai dans série 00, j'ai deux DLCI. J'ai DLCI numéro 100. Ici, c'est le numéro. Et ici, c'est le nom. Vous pouvez choisir n'importe quel nom. Ici, normalement, les noms, ils doivent être significatifs. Ça va, pourquoi? Ça va vous faciliter par la suite le routage. Le routage, il va s'effectuer en fonction des noms. D'accord? Donner des noms qui sont significatifs. Donc, moi, je vais l'appeler PVC 100. Comme ça, je sais que, par exemple, c'est une DLCI du PVC 100. C'est un nom, ça c'est un nom. Il y a ici un bouton Add. Voilà, maintenant j'ai ajouté DLCI 100 qui a un nom PVC 100. Il me reste un autre parce que c'est réel, normalement il a deux DLCI. Deuxième c'est 200. Pardon. Et je vais aussi l'appeler PVC 200. Add. Si vous avez fait des erreurs, vous pouvez sélectionner et mettre ici Remove pour supprimer une ligne. C'est bon, maintenant l'interface sérielle 0 du commutateur frame relay, ou bien du cloud frame relay, et j'ai ajouté son CDLCI, c'est-à-dire l'adressage niveau 2. Je passe sérielle 1.
Donc c'est Riel 1, il est lié au routeur Marrakech, DTE Marrakech. C'est-à-dire il a DSI 100. Peu importe, hein, vous pouvez avoir un autre DSI 100, peu importe. Et moi, pour garder, pour rester cohérent, j'ai mis ici 100, c'est-à-dire l'entrée c'est 100 et la sortie c'est 100 aussi. Mais vous pouvez choisir n'importe quelle sortie. Voilà, donc remarquez, donc on, l'LMI. Maintenant, ce LMI n'a rien à voir avec l'autre LMI. Ça, c'est ce DCE avec ce DTE. Quel est le langage qu'ils vont utiliser? Rien à voir avec ce qu'on a déjà configuré. Alors, je peux choisir un autre ici. Et là aussi, pour ne pas avoir assez de types, hein, pour se rappeler, on va toujours choisir le standard Q933. Alors, mais vous pouvez choisir ici aussi dans ce segment n'importe quel autre type d'élément. DCI ici, c'est 100 aussi. Donc, je vais demander PVC aussi 100. Add. C'est bon. Donc, serial 01, il a seulement un seul PVC. Il me reste serial 2. Serial 2, il est lié au DTE Tanger et il a DCE 200. Même chose. Je vais choisir ici, c'est on. Je vais choisir le même pour rester cohérent. Comme j'ai dit, ça c'est un autre segment. Il peut avoir un autre LMI. L'LMI, il doit être le même entre DCE et DTE dans un lien. N'a rien à voir avec les autres. Donc 200. Et je lui donne un nom. PVC 200. Add. Voilà. Donc, première étape, c'est fait. On a dit, c'est ce qu'on a fait maintenant. Donc, j'ai configuré les interfaces du commutateur frame relay. C'est-à-dire, j'ai créé les DSI. Maintenant, deuxième étape, c'est la configuration du routage. Routage, c'est ici. C'est un autre bouton. On va remarquer ici, frame relay. Un bouton frame relay. Je clique ici. Et ici, il me donne un routage. Ça, normalement, c'est le travail du fournisseur, ce qu'on fait ici. Hein? Pour simplifier, pour voir réellement, pour avoir une vue simplifiée d'un nuage frame relay, qu'est-ce qu'il y a dedans? Maintenant, je vais créer un routage. Ça veut dire, imaginez que pour le routage, c'est comme si vous avez donc ici votre DTE. Ici, c'est le nuage frame relay. Et dans le nuage frame relay, il y a beaucoup de commutateurs. D'accord? Ces commutateurs qui sont à l'inter, dans le nuage, le fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous créer un circuit qui va de l'entrée ici vers, par exemple, une sortie. La sortie, l'autre DTE, il est là. Il va vous créer un circuit. C'est ça le routage qu'il va faire. D'accord? Le fait de créer un PVC, un chemin permanent, ça s'appelle le routage frame relay. Comment il va? Il va le créer. Et pour simplifier, maintenant, essayez de suivre. J'ai ici, je vais créer un routage. Qu'est-ce que je vais dire? Si j'ai dans Serial 0 l'entrée 100, je vais sortir. Pour atteindre Marrakech, par quel sériel et quel DLCI? Donc, sériel 0, DLCI 100. La sortie, c'est sériel 1, DLCI 100. Sériel 0, PVC 100. Hein, j'ai remarqué, maintenant, le routage, il s'est fait avec des noms et pas les numéros DLCI. C'est pour cela que j'ai dit, il vaut mieux, une fois vous créez un numéro DLCI, essayez de choisir un nom significatif, parce que ici ça, ce qui se voit dans les listes, c'est les noms et pas les numéros. Donc sériel 0 PVC 100, il va sortir. Est-ce qu'il va sortir par sériel 0? Non. Sériel 0, il va sortir par sériel 1. Je vais choisir ici sériel 1 PVC 100. Add. Maintenant j'ai créé ce routage, c'est-à-dire maintenant CASA, quand il veut communiquer avec Marrakech, il va utiliser DC100
et il va être routé à l'intérieur du cloud pour sortir une sériale 1 des 600 pour qu'il atteigne Marrakech. Hein? Et c'est ça le PVC. Le PVC maintenant il est créé, le routage il est effectué à l'intérieur du cloud, et une fois le routage il est effectué, il y a un PVC qui est créé. Un circuit qui est créé entre serial 0 et serial 1. Permanent. C'est ça. Maintenant, pour que toujours Casa puisse communiquer avec Tanger, je dois créer un autre PVC. Un autre routage, toujours serial 0, mais maintenant PVC 200. L'autre PVC. Il va sortir par serial 2 DLCI 200. Pour atteindre Tanger. La sortie c'est serial 2 PVC 200. Add. C'est bon, on a fini la configuration du nuage FrameRail. On commence par créer les DLCI dans les interfaces et par la suite on finit par créer le routage FrameRail. C'est ça. Bon. Voilà, deux PVC, c'est ça, donc la création. Donc si vous avez un troisième PVC, vous pouvez mettre 3. Mais ici, on a seulement 2 PVC. C'est bon. Maintenant, je vais créer la configurer FrameRelay dans les DTE. Donc les DTE, en premier, je ne fais que les adresses. Hein. Je ne configure que les adresses. Maintenant, je dois configurer FrameRelay dans... On va commencer par cadre. Première commande. Je sais que si vous vous rappelez dans la partie quand on a fait l'HDLC triple P, par défaut, les interfaces série, c'est-à-dire l'interface WAN d'un routeur, il est encapsulé. Voilà, il a une encapsulation HDLC. D'accord. Maintenant, DCE, il est frame relay. Ou DTE, il est HDLC. Ça ne marche pas. Ils doivent être le même type d'encapsulation. Donc, c'est pour cela que je vais entrer dans l'interface serial 0/0 de DTE de Casa, et je vais changer en encapsulation frame relay. D'accord. Donc si je mets, remarquez, point d'interrogation, si je mets entrée, c'est-à-dire create, vous rappelez combien de types d'encapsulation on avait? J'ai dit, on a Cisco et UETF. Si je mets Create, automatiquement, il va le considérer comme Cisco. Si je veux changer, je peux mettre AETF. D'accord. Je vais laisser Cisco sans problème. Si je mets Entrée, automatiquement, parfois, dans les énoncés, ils peuvent vous préciser quel type d'encapsulation la FrameRelay vous utilise. S'ils vous disent... utiliser AETF, vous devez ajouter ici AETF. Si on vous laisse le choix, vous pouvez mettre Create, puisque ça c'est un routeur Cisco. D'accord. Vous pouvez mettre FrameRelay Cisco. Mais ce qui est important, c'est le type de LME. Maintenant, FrameRelay LME, voilà. Mais type, si je mets point d'interrogation, voilà les trois, ou bien ANSI, ou bien Cisco, ou bien Q. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai mis dans DCE? DCE, j'ai mis Q, c'est-à-dire obligatoire. Ici, je dois avoir Q933, sinon la communication entre DCE et DTE, et LMI, ça marche pas. Et on a dit l'importance de LMI, c'est que le DCE, il va informer le DTE quels sont les états de PVC. Il va lui dire, rager un PVC, par exemple, qui a DLCI 100, et un autre PVC qui a DLCI 200, ils sont actifs. Ou ça, ce sont des informations. Le DCE a besoin, donc, il a besoin de ces informations. Donc, c'est pour cela que on doit respecter le type de LMI entre DTE et DCE dans un lien. Les premières consultations, les shows qu'on peut utiliser. Donc show frame, toujours c'est frame relay. Donc show frame relay, point d'interrogation.
Sure, pardon. Remarquez, trois commandes importantes pour les consultations FrameRelay. On va commencer par PVC. Donc on a Show FrameRelay PVC, Show FrameRelay LME, Show FrameRelay Map. On va les utiliser. On va commencer par PVC. Donc dans cette entrée, j'ai ici le show que j'ai mis ici, et j'ai ici une information statistique. PVC for interface serial, FrameRelay DTE, serial 00, c'est DTE. DCI, c'est 100. DC usage local, PVC statut active, interface. Remarquez maintenant, j'ai aussi DCI 200. Est-ce que j'ai configuré les DCI dans CASA? CASA, j'ai pas utilisé le numéro de DCI. Et quand même, il a une information qui lui dit, voilà, il y a un DCI 100 et il y a un DCI 200. Hein, si vous vous rappelez, DCI, je les ai configurés dans le nuage, FrameRelay. Maintenant, qui a informé DTE de ces LME? Maintenant, quand on a fait le même LME, même type LME, ils ont communiqué et le DCE, c'est-à-dire le commutateur FrameRelay, il a informé le DTE qu'il a ses DLCI avec ses PVC. Hein? DLCI, on a dit, avec le routage, ça devient un PVC. Et il a dit qu'il est actif. Ici les statistiques, c'est-à-dire les paquets entrants, les paquets sortants, encore. Remarquez, BECN, BEC, 0, il n'y a pas de NOC 0. DE aussi, 0, on a dit DE 0, c'est-à-dire tous les paquets ils passent. Hein, DE égale à 1, ils peuvent être écartés. Hein, discard eligibility. Le FEC, c'est-à-dire 0 aussi, il n'y a pas de congestion. Bon, des informations qui sont échangés entre DCE et DTE. Donc deuxième commande, toujours un show frame relay. Maintenant c'est LMI. Voilà. LMI statistiques maintenant qui ont été envoyés, remarquez. Message received. 54, received 54. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un échange. Ce DTE, il envoie des requêtes LMI et il reçoit aussi des requêtes LMI. C'est bon, donc il y a l'échange. Donc LMI, il va m'afficher les statistiques pour voir est-ce que la communication elle passe entre les deux. Et le troisième choc, c'est le map. Le map, il va me montrer le mappage entre le mappage dynamique ou la statique. Par défaut, on a dit il y a un mappage dynamique, mais remarquez ici, il m'affiche rien. Alors, on a dit que l'INARP, par défaut, l'inverse ARP, il est activé. Mais pourquoi il m'affiche rien? Donc j'ai ici, on a dit l'INAP, il va prendre le PVC pour voir l'autre bout DTE et laquelle adresse IP. Mais est-ce que j'ai configuré Marrakech avec l'encapsulation et tout? Non, je n'ai pas encore configuré ni Marrakech ni Tanger. J'ai commencé par configurer CASA. Les autres n'ont pas encore. Donc une fois, je vais configurer la même chose, FrameRelay, comme j'ai fait dans cette interface. On va revenir pour voir est-ce qu'il y a le mappage qui est créé ou non. Donc CASA, c'est bon. Maintenant, je vais à Marrakech. Toujours l'interface. Interface serial 0. 0, 0. Interface. Donc encapsulation frame relay, hein, pour abréviation. Donc entrée, ça va faire directement Cisco, le type Cisco. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est frame relay. LMI type, il doit être Q, hein, puisqu'on a changé dans les DCE, j'ai pris tous les LMI, ils sont en Q933.
C'est bon maintenant. La même chose. Donc si je reviens à... Je vais faire la même chose. Donc PVC, ça reste la même chose. Il connaît déjà qu'il a deux PVC, 100 et 200. Mais maintenant, map. Remarquez, map n'est plus vide maintenant. Qu'est-ce que j'ai dans le map? Il me dit serial 00, il est up. Et le IP 10002, c'est quel IP? Maintenant, je suis dans CASA. 10002, c'est l'adresse IP de l'interface Marrakech. Il a fait le mappage, le lien avec quel DLC? Ça, c'est le DLC local. Le DLC local, ici. Ça. C'est-à-dire maintenant, l'entrée, DLC 100, il est lié à l'adresse IP de Marrakech. Et ça, c'est dynamique, remarquez. Dynamique. D'accord? Tout simplement, c'est ça le fonctionnement de INARP, l'inverse ARP. C'est lui qui a fait. Il est entré dans le PVC 100, le DLC 100, l'entrée DLC 100. Il a fait le parcours jusqu'à ce qu'il arrive l'interface série 00. Et il a récupéré, on va dire, l'adresse IP pour la mapper ici. C'est bon. Remarquez aussi CASA, si je vais aussi dans Marrakech, je vais trouver, donc show frame relay map, la même chose. Maintenant, serial 02 Marrakech, routeur Marrakech, il est up, mais ici quel IP? Ça c'est l'IP de CASA, l'interface serial CASA, ou toujours DLC local, c'est cette DLCI, ça. Et pas ça, hein? On a dit oui. L'inverse, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le mappage entre DLCI local et l'adresse IP du DTE distant. C'est ça. Mais Marrakech, Tanger, il n'a rien, puisqu'on n'a pas encore configuré le frame relay dans Tanger. Maintenant, on va prendre la même chose dans Tanger. Interface serial 000 encapsulation frame relay element type la même chose Q930. Donc je frame relay map, voilà, c'est bon. DLC maintenant pour Tanger, automatiquement INARP est fonctionnel. Il m'a lié, ou il a fait un mappage entre le TLC local de Tanger vers l'adresse IP du CASA. Donc si je reviens maintenant à CASA, voilà, je vais retrouver que CASA, il a deux mappages. Donc un mappage qui mène vers le routeur de Marrakech et un autre qui mène vers le routeur Tanger. Et toujours c'est dynamique. C'est-à-dire maintenant, comment on peut lire ça? Le DLCI 100, on va faire l'équivalent, c'est le PVC, hein, c'est-à-dire l'entrée du PVC. Le PVC, c'est tout le parcours, c'est le routage. Mais l'entrée, ça s'appelle le DLCI, c'est-à-dire la porte d'entrée, c'est DLCI 100. Donc le PVC qui mène du DTE CASA vers le DTE Marrakech, il a une entrée DLCI 100. Cette entrée, c'est-à-dire ce PVC, il mène vers quelle destination? Il mène en routeur DTE qui est à l'adresse 10002. La même chose, le DLCI local maintenant à CASA, DLCI local, il mène où? Il mène à l'adresse 10003, c'est le DTE de Tanger. Hein, vous remarquez maintenant, entre CASA et les branches, imaginez Marrakech et Tanger branches, et CASA, c'est le siège. On a une topologie hub and spoke à liaison multipoint. Multipoint, c'est-à-dire tous les DTE, ils appartiennent au même réseau. Maintenant, on va essayer de
On va tester. On va essayer la connectivité entre les DTE. Donc, Casa, ping 10.0.0.2, c'est l'adresse IP du serial 0.0.0.2 de Marrakech. Donc, je suis dans Casa. Voilà, le ping il passe. La même chose, si je ping Tanger, c'est-à-dire de Casa, je peux atteindre Marrakech et Tanger. De même, Marrakech, il peut atteindre Casa. Ping 10.0.0.1, l'adresse IP de Casa, sans problème. Mais est-ce que Marrakech, le routeur DTE Marrakech, il peut pinger le DTE Tanger? On va voir. Ping 10.0.0.3. Non. Il ne peut pas pinger. Il ne peut pas accéder. Il n'a pas une connectivité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour avoir une connectivité avec... Je vais les prendre ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a créé? On a deux PVC. C'est-à-dire, ici, j'ai un PVC. Donc, l'entrée, c'est DLCI 100. Ou la sortie, c'est aussi DLCI 100. Vous pouvez choisir n'importe. Et de même, ici, on a un autre PVC. Donc, DLCI, voilà, c'est 200. DLCI 200. Et ici, la sortie, c'est DLC 200. J'ai gardé le même pour avoir... Donc ça, c'est le PVC. Donc PVC 1, PVC 2. D'accord? Donc, pardon. Avec l'INARP, j'ai un mappage ici. C'est-à-dire, Casa, maintenant, il sait que s'il veut atteindre 10.0.0.2, il va utiliser ce PVC. Et ici, s'il veut atteindre 10.0.0.3, il va atteindre. Pourquoi? Parce qu'il a un mappage, un routage. Hein, c'est comme si un routage. Il a un mappage entre DLCI local et le DTE distant. La même chose, Marrakech, il a un mappage qui dit, si tu veux avoir une connectivité avec 10.0.0.1, essaie d'emprunter DLCI local 100. Tanger, s'il veut atteindre Casa, il sait qu'il doit utiliser DSI 200. Mais est-ce qu'on a une information qui dit à Marrakech qu'il y a un autre DTE Tanger? Il n'y a rien. Il n'y a pas. Les deux solutions pour que Marrakech et Tanger communiquent, ou bien je vais retourner au fournisseur, je vais lui dire crée-moi un autre PVC, un troisième PVC. Le fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut me créer un autre PVC entre. Et si le PVC il est créé, c'est-à-dire INARP. L'INARP toujours, il va dans le PVC. S'il n'y a pas de PVC, il n'y a pas d'INARP. Donc l'INARP, il va récupérer la même chose, l'adresse de Marrakech et l'adresse de Tanger. Et on va voir que aussi Marrakech, il a deux DLCI. Un qui mène vers Casa et un autre qui mène vers. Mais si je demande au fournisseur de me créer un troisième PVC, je vais payer plus. Donc on a dit frame relay, ça se paye aussi au nombre de PVC que vous avez. Moi, je ne veux pas que Marrakech, c'est-à-dire ils n'ont pas une communication entre eux. Hein, ça ne m'intéresse pas que Marrakech communique avec Tanger. Donc je vais laisser seulement deux PVC. Mais moi, en tant maintenant, je ne vais pas contacter le fournisseur. Moi, en tant que client, hein, c'est-à-dire entreprise, l'administrateur de l'entreprise, lui qui va configurer ce qu'on appelle un page statique. Donc, pour que les branches puissent communiquer, ou bien je contacte le fournisseur et me crée un PVC, ou bien moi en tant qu'administrateur du réseau de l'entreprise, je vais créer un page statique. La solution, contacter le fournisseur ou l'opérateur de service, c'est-à-dire il va m'ajouter PVC, je vais payer plus. Par contre ici, je vais rien payer. Donc c'est une administration, c'est une configuration de plus que je vais ajouter, tout simplement.
Mais la communication, il va passer par, maintenant si je crée un MAPA statique, je vais dire à Marrakech, pour pouvoir communiquer avec Tanger, tu dois emprunter, tu dois utiliser DCI100. Mais DCI100, pour lui, il mène vers Casa. Et Casa, il va envoyer les trams à Tanger. Parce que déjà, Casa, il sait comment atteindre Tanger. De même, je vais dire à Tanger, si vous voulez communiquer avec Marrakech, tu dois utiliser le DCI200 qui te mène, hein, qui va à Casa. Et Casa, il sait que comment il peut atteindre Marrakech. C'est-à-dire maintenant, toutes les communications entre les branches avec le MAPA statique, ils vont passer par le hub. C'est pas direct. Le PVC, si on crée un PVC, c'est ça l'avantage. C'est que la communication, elle est directe entre les deux branches. Si on n'a pas un PVC, je serai obligé de créer un MAPA statique pour que les branches puissent communiquer. Clair? Ce sont des notions très importantes pour comprendre ce qu'on fait dans la configuration. Donc, maintenant, après cette configuration, on a remarqué que les branches ne communiquent pas entre elles. Je vais créer un mappage, si vous voulez, statique entre les branches. Déjà, le mappage que j'avais au premier, c'est un mappage dynamique, mais maintenant, je vais ajouter un mappage statique. Donc, je vais commencer par le routeur Marrakech. Le DTE Marrakech, donc toujours, c'est une affaire d'interface, puisque Frame Relay, ce sont des configurations, là, des paramètres, des options de Frame Relay, il faut entrer dans une interface Frame Relay. Donc, interface Serial 00 de Marrakech. La commande c'est frame relay map IP. La commande c'est frame relay map IP. Maintenant, dans le mappage, on a dit toujours je map une adresse DCI locale, DTE distant. Pour comprendre ce qu'on fait dans la. Maintenant, je suis ici. Je suis dans Marrakech. Dans Marrakech, je veux dire à Marrakech, si tu veux accéder à 10.003, DTE distant, utilise DC100, parce qu'il y a seulement DC, il y a seulement un PVC. Ce PVC, avec le mappage dynamique, il lui a montré seulement, c'est-à-dire il sait que maintenant Marrakech, pour atteindre 10.001, il doit envoyer les trams à DC local 100. Mais maintenant, moi, je vais ajouter une configuration de plus. Je vais dire à Marrakech, si tu veux communiquer avec 10.3, utilise aussi DC 100. Hein, pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il a quelque chose à envoyer pour DC, pour DTE Clanger, c'est-à-dire 10.003, il va l'envoyer aussi à DC 100. Et DC 100, il mène où? Il mène à Casa. Casa, il va voir que les trams ne sont pas destinés à lui, ils sont destinés à 10.003. Est-ce que Casa sait comment atteindre 10.003? Il a un DCI200 qui mène à 10.003. C'est ça ce qu'on va faire dans la page statique. Donc, la frame relay map IP, maintenant, quel est l'IP du DTE distant? C'est DTE de ma de Tanger, c'est-à-dire 10, 0, 0, 3. D'accord? Maintenant, je suis à Marrakech et je vais lui dire, essaye de créer un mappage entre l'adresse IP du routeur Tanger avec ma DLCI locale. Quelle est la DLCI locale? C'est 100. Clair? C'est bon? Maintenant, je dois faire la même chose parce que maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait seulement le mappage entre Marrakech et Tanger. Si Marrakech envoie des informations à Tanger, comment Tanger peut répondre?
il doit aussi Tanger avoir un mappage qui mène vers Marrakech. Donc je vais aussi entrer dans le routeur Tanger et faire la même chose. Interface serial 0 0, la même chose, frame relay map IP, mais maintenant je suis dans Tanger, je dois le DTE distancer, ça sera le DTE Marrakech. L'adresse DTE Marrakech, c'est 10002. 10002. Et quel est le DCI local de Tanger? C'est 200. 200. C'est bon. Configuration. Si je mets un show frame relay map maintenant dans Tanger, remarquez, avant j'avais seulement un seul PVC. Un seul mappage. D'accord? Dynamique. Mais maintenant, remarquez, j'ai un autre mappage, mais statique. Statique, c'est-à-dire, on a dit manuel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mappage? C'est-à-dire, maintenant, toujours, il est créé dans Serial 00 de Tanger. Il fait le mappage entre le DLCI local de Tanger vers DTE distant qui est Marrakech. Et la même chose, DLCI local de Tanger, il est mappé l'adresse des DTE CASA. Mais ça, c'est dynamique, c'est l'INARP qui l'a créé. Donc, si je vais dans Marrakech, je vais trouver la même chose. Il doit avoir aussi deux mappages. Show frame relay map. Voilà, toujours le premier dynamique qui fait entre, c'est-à-dire DLCI local de Marrakech qui est 100, il mène vers le DTE distant CASA. Mais maintenant en statique, le DLCI toujours c'est local, c'est 100, qui mène vers Tanger, 10.10.3, c'est Tanger. Maintenant, si je ping, je ping 10, je suis dans Marrakech, je ping Tanger. Remarquez, le ping il marche. Maintenant, j'ai créé la connectivité entre les deux branches, mais toujours en passant par le hub. Donc, pour cela, pour vérifier vraiment le passage, est-ce qu'il va direct ou là il passe par le hub, je vais mettre un trace route. Trace route, je suis dans Marrakech, je vais pinguer. Là, je vais mettre un trace route vers Tanger. Donc, 10.0.0.3. Qu'est-ce que vous remarquez? Trace route, il a passé par 10.0.0.1. C'est-à-dire maintenant, le ping, il passe comme ça. Il va vers CASA, et CASA, il va l'acheminer vers Tanger. Hein? Le premier saut, je suis dans Marrakech. Le premier saut, c'est 10.0.0.1. C'est-à-dire le DTE CASA. Et le deuxième saut, c'est 10.0.0.3, c'est-à-dire il vient à Tanger. Donc, de Marrakech vers Tanger. Il fait Marrakech, CASA, Tanger. Hein? C'est comme si vous avez un vol avec des escales. Marrakech, dans l'aéroport CASA. La même chose. Tanger. Maintenant, si je ping, je mets un trace de route vers 10.0.0. Deux. Toujours il passe. Maintenant je suis à Tanger. Si je veux accéder à Marrakech, je dois passer par le hub qui est 10. Et pour vous montrer, là, c'est pas un PVC, c'est un mappage. Un PVC, si vous avez un PVC, le ping il passe direct. Par exemple, si je mets entre, par exemple, Marrakech et CASA, si je mets un trace route 10.0.0.1. Remarquez, il passe direct. Direct. Quand Marrakech Tanger, il passe par. Donc, qu'est-ce que j'ai créé maintenant? J'ai créé la connectivité entre tous les DTE. Donc, le mappage, il crée la connectivité entre tous les DTE. Mais est-ce que maintenant les LAN, ils peuvent communiquer? Maintenant, j'ai configuré le frame relay, c'est-à-dire cette partie. Cette partie. C'est-à-dire tous les DTE
peuvent communiquer entre eux. J'ai deux PVC. Il y a une communication directe entre Casa et Marrakech, et Casa et Tanger, et une communication, on va dire, indirecte entre Marrakech et Tanger. Mais bref, tous les DTE, ils communiquent. Mais est-ce que maintenant les LAN, ils peuvent communiquer? Non, pas encore. Pourquoi? Déjà, parce que si je vais dans l'étape de routage, donc je mets un show IP route, chaque routeur, il ne connaît que les réseaux directement connectés. Est-ce que le routeur Casa, il a une connaissance qu'il y a un réseau 30 et un réseau 40? Non. C'est-à-dire, si un paquet, il est destiné à 30 ou 40, il va le rejeter. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a configuré, c'est la connectivité entre les DTE qui sont liés le framerail. Ça ne veut pas dire que les LAN derrière les DTE peuvent configurer, ils peuvent communiquer. Maintenant, pour que les LAN puissent communiquer, ça, c'est pas nouveau pour vous, c'est le routage. Ou bien vous choisissez un routage statique ou bien un routage dynamique, ce que vous voulez. Là, on va préférer un routage dynamique. Mais le routage statique aussi, il est. Si vous avez un petit réseau, là, vous pouvez, par exemple, dans ce cas-là, créer une route statique vers 30, une route statique vers 40, la même chose. Tanger, une route statique vers 30 et vers 20. Marrakech, une route statique vers 40 et vers 20. Mais c'est bon. Sinon, vous pouvez activer un protocole de routage qui va partager des informations de routage dynamiquement. D'accord. Donc RIP version 2, c'est pas EIGRP, donc l'OSPF, on peut l'utiliser, mais on doit faire un paramétrage que vous n'avez pas normalement dans votre cursus. D'accord. Donc si vous voulez travailler vous dans votre cursus, travaillez dans les réseaux NBMA avec un protocole vecteur de distance, genre EIGRP et RIP. D'accord. Avec OSP, c'est pas vraiment difficile. Il y a des paramétrages et des notions que vous devez connaître avant de pouvoir configurer. Donc, vous ne l'avez pas vous dans votre cursus. D'accord. C'est faisable aussi avec l'OSPF, avec l'ISIS. D'accord. Mais restez dans votre cursus. C'est-à-dire, vous pouvez ou bien mettre un routage statique, manuel, IP route, ou bien dynamique. On va travailler, nous, en dynamique, par exemple, avec UIGRP. Donc, router UIGRP, on va choisir 1. Network. Combien de réseaux ils sont connectés à Casa? Donc, j'ai le 20.0.0.0. Je peux mettre 1, si vous vous rappelez, d'accord? Ou bien 1. Avec 4.0 en masque masque générique, ou bien tout le réseau, et je peux mettre 255. D'accord, ce que vous voulez. Mais il vaut mieux, j'ai dit, être plus précis. C'est-à-dire, je dois activer maintenant le GRP sur l'interface qui a l'adresse IP 20.0.0.1. Que j'ai activé pour être plus précis, j'ai dit donc. Je vais mettre l'adresse IP, c'est-à-dire que EIGRP va être activé sur l'interface qui a l'adresse 20.0.0.1. Et bien sûr, il va envoyer le réseau de cette interface dans ses mises à jour de routage. Deuxième réseau, c'est Network. D'accord, mon Network. 10.0.0.1. Ou bien l'adresse IP 0.0.1 pour être plus précis. Et il ne faut pas oublier, non, si vous travaillez avec la version ancienne de l'iOS, donc on a dit par défaut l'auto-summary, il est activé, le résumé automatique. Par contre, les versions récentes de UIGRP, par défaut, ils ont désactivé le résumé automatique. Vous vous rappelez de la partie UIGRP, on a expliqué ça. La même chose, on va le faire dans les autres.
Déjà, pour faire le test. Donc ici, le PC1, il a 20.0.0.10. Il a les informations correctes. PC2, il a 30.0.0. Je vais essayer de voir est-ce qu'il y a le ping normal. Il ne doit pas marcher parce que j'ai configuré seulement maintenant. Les autres, ils n'ont pas encore les GLP. Donc si je ping, je suis maintenant dans PC1. Je lance un ping vers PC2 qui est dans le LAN de Marrakech. 30, 10. Destination host unreachable, inaccessible. C'est-à-dire le routeur Casa. Ça, c'est une réponse du routeur Casa. PC1, il est lié. Sa passerelle, c'est face 0, c'est-à-dire c'est le routeur Casa. Le routeur Casa, quand PC1 il a, lui a envoyé le paquet à destination de 30, il n'a pas d'information de routage qui mène vers ce réseau. Inreachable, inaccessible. Il a rejeté le paquet. D'accord. L'intérêt, c'est que maintenant, créer la connectivité entre les LAN. La même chose, je dois activer ici le UGRP. Donc, router EIGRP. Donc, je dois avoir le même numéro système autonome. La même chose, nos auto summary et les networks qui sont liés. Le routeur Marrakech, il a 10.0. Là, je vais prendre des adresses pour être. Donc, 2. Hein, remarquez automatiquement, il y a un voisinage qui est effectué avec 10.1, c'est-à-dire le Casa, et network 30. Voilà. La même chose, Tanger. Router EIGRP. Toujours un, ils doivent tous appartenir au même système autonome pour qu'ils puissent échanger les informations de routage. No auto summary. Network 10.3. Voilà, automatiquement adjacency. Et network 40. Essayons maintenant de voir les tables de routage. Table routage Casa, show IP route. Ah, on a pris. Maintenant, le routeur Casa, il a une information qu'il y a un réseau 30 et un réseau 40. Si je reprends maintenant le même ping, tout à l'heure il ne marchait pas. Là, remarquez, maintenant il y a une réponse. De même, à partir de Casa, si je ping le réseau PC3 qui est dans le LAN de Tanger, qui a 40. Donc il y a un petit retard au premier parce que il cherche les adresses MAC, mais c'est bon. Donc, si je reprends, automatiquement maintenant il y a aussi. C'est-à-dire maintenant le LAN. Derrière Casa, il peut accéder au LAN Marrakech en passant par un nuage frais brûlé. Un WAN. Hein? Ça, c'est un. Si vous voulez, c'est un WAN privé du fournisseur. Et les communications, ils passent entre les LAN sans problème. Remarquez maintenant. Donc, on a vu. Donc, si je vais filtrer par UGRP. Le routeur Casa, il a reçu deux routes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez, si j'affiche la table de routage de routeur Marrakech, donc show IP route. Remarquez le routeur Marrakech, qu'est-ce qu'il a? Il a ses réseaux directement connectés et il a un seul réseau qui est le 20. Le routeur de Marrakech,
il n'a aucune connaissance qu'il y a un réseau 40. Il a seulement une connaissance du 20, celui qui est au hub, Casa. La même chose, le routeur Tanger. Si je mets un show IP route, de même, Tanger, il n'a aucune connaissance du réseau de Marrakech, mais il a seulement connaissance du réseau, c'est-à-dire l'UIGRP lui a envoyé seulement 20. Même si on a un voisinage, vous vous rappelez que tous ces DTE, ils rentrent en voisinage. Maintenant, pourquoi dans cette topologie liaison multiple, les branches n'ont pas reçu les LAN mutuellement? C'est-à-dire Tanger, il n'a aucune connaissance que 30 il existe. Au Marrakech, il n'a aucune connaissance que le réseau 40 il existe, même s'ils sont voisins avec UIGRP. Et c'est ça, c'est parmi les problèmes qui sont causés par liaison multipoint d'un frame relay. Essayez de suivre, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. Maintenant, remarquez. On va suivre les informations de routage qui sont envoyées entre les routeurs. Le routeur CASA, quelles sont les routes qui va envoyer dans sa mise à jour? Le routeur CASA, dans le network, j'ai dit, donc il doit normalement envoyer le réseau 10 0 0 0. On va dire slash 24. Il va envoyer 20 0 0 0 slash 24. Ça, ce sont les réseaux directement connectés de CASA. Donc CASA, il va envoyer cette mise à jour ici. Et la même mise à jour, il va l'envoyer là. D'accord? Entre mi. Maintenant, au Marrakech, quels sont les réseaux qu'il va normalement envoyer? Il va envoyer 10 0 0 0 slash 24. Il va envoyer 30 0 0 0 slash 24. C'est les deux réseaux directement connectés qui sont dans Marrakech. Il va les envoyer à qui? Il va les envoyer seulement là où il y a un PVC. Il ne va pas l'envoyer à Tanger. Hein, il n'a pas un PVC entre lui et Tanger. Parce que s'il veut communiquer avec Tanger, il doit passer par CASA. Pour lui, il a un seul PVC, il va envoyer une seule fois cette mise à jour. De même, Marrakech, quelles sont les routes qu'il a? Il a 10.0.0/24 et il a le réseau 40.0.0/24. Les deux réseaux qui sont directement connectés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi les envoyer dans le PVC à qui? À CASA. CASA, qu'est-ce qu'il... On va maintenant voir quels sont les réseaux qui seront ajoutés. Maintenant, dans la mise à jour de R1, dans ce 1, Marrakech, qu'est-ce qu'il a comme information de routage qu'il n'a pas? Marrakech, il a 10 et 30. Donc, lui, il va l'envoyer 10 et le 20. Normalement, il ne va pas utiliser le 10. Parce qu'il a, lui, 10 directement connecté. Et sa métrique, elle est beaucoup plus basse que s'il est reçu par... Il va le recevoir, si vous voulez, avec un DA 90. Hein, 90, il est beaucoup supérieur. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre ça. Il va laisser ce qui est connecté directement. Mais il va ajouter le 20. 20, il ne l'a pas. Il va mettre ici D. 20 0 0 slash 24. De même, Tanger, qu'est-ce qu'il a? Il a 10, il a 40. C'est-à-dire, s'il reçoit une mise à jour via 10 et le 20, il ne va pas utiliser 10 parce qu'il l'a déjà en directement connecté, mais il va seulement installer le 20 qu'il n'a pas. C'est pour cela que quand on a fait un show hyperroute, on a trouvé que Marrakech et Tanger, ils ont reçu seulement le réseau LAN de CASA. D'accord? Maintenant, normalement, CASA, qu'est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas 30, ça veut dire C, 10 et 20, il l'a directement connecté, mais il va ajouter le 30
0, 0, slash 24, il va ajouter aussi le 40 qu'il n'a pas. D, slash 24. C'est ce qu'on a aussi quand on a mis un show hyperroute, on a trouvé ça. Maintenant, pour cette topologie, les routeurs, ils sont convergents. C'est-à-dire, pour eux, ils ont, c'est ça ce qu'ils ont comme information. Mais le problème, c'est que, pourquoi R, maintenant, R, Kaza, il a toute cette table. Pourquoi R15, il ne va pas envoyer le 30 à Tanger et le 40 à Marrakech? Tout simplement parce qu'il y a un mécanisme qui s'appelle le split horizon, le découpage d'horizon. C'est quoi le découpage d'horizon? Je suis routeur, j'ai une interface. Un exemple. Pour nous, c'est serial 00. Quand je reçois une information, par exemple, d'un routeur, hein, quand je reçois une information dans cette interface, est-ce que je vais la retourner? Donc, quand une interface reçoit une mise à jour de routage, il ne va pas la faire ressortir de la même interface. Donc, quand Kaza, parce qu'il a une seule interface ici, Kaza, quand Kaza, il va recevoir une mise à jour de routage qui a le 30, il ne va pas l'envoyer à la même interface. Pour lui, hein, c'est la même interface de qui a reçu l'information, il ne doit pas la faire ressortir de la même interface. Donc j'ai reçu une mise à jour 30, je ne vais pas la ressortir. J'ai reçu une mise à jour 40 de la même interface, je ne vais pas la réenvoyer de la même interface. C'est ça la logique de split horizon. C'est pour cela qu'on va trouver les branches dans cette topologie. Ils n'ont aucune connaissance, par exemple Marrakech, ils n'ont aucune connaissance de 40, tout simplement parce que quand Kaza il a reçu le 40, il ne va pas la réenvoyer de la même interface. Et comme ça, il ne va pas être acheminé vers Marrakech. Et la même chose, quand Kaza il va recevoir le réseau 30, il va le recevoir de série 00, il ne va pas le réenvoyer de série 00. Pour lui, c'est la même destination, c'est le jour d'envoyer. Ce n'est pas que la même interface, normalement, il est lié à... Ça, c'est le routage, d'accord? Rien à voir avec le mappage DLCI. Un protocole de routage, il est reçu et envoyé dans une interface physique. Frame relay, il sait qu'il va envoyer les trams dans DC100 ou bien DC200. Mais ici maintenant, on est dans le protocole de routage. D'accord, donc avec cette topologie, le seul problème qu'on a, c'est quand vous utilisez un protocole de routage dynamique. C'est que vous avez remarqué que les branches qui ne sont pas liées avec des PVC, même s'il y a un mappage stabilité DTE, tout simplement, hein, à travers les PVC. Mais le routage, c'est une question de routeur et de routage de route distante. Donc pour remédier à ce problème, il y a normalement des solutions. Donc, ou bien désactiver split horizon, chose qui est déconseillée, parce que normalement split horizon, déjà, c'est une... Je ne vais pas t'envoyer, quand tu m'envoies une information, je ne vais pas te renvoyer la même information. Déjà, c'est la bande passante qui sera beaucoup plus occupée et parfois ça peut engendrer ce qu'on appelle une boucle de routage. Donc la boucle de routage, c'est-à-dire c'est comme si le paquet va faire le va-et-vient entre deux routeurs. Et si le paquet fait le va-et-vient, ça c'est toujours. Donc on a la bande passante qui est utilisé d'une façon inutilement, il est utilisé d'une façon inutile. Donc là, ça reste une solution possible, mais il n'est pas conseillé, mais n'est pas recommandé cette solution. Deuxième solution, c'est que, ou bien travailler avec le routage statique, c'est-à-dire les routes qui manquent, on doit les créer d'une manière statique. Déjà dynamiquement
l'UGRP, il m'a envoyé les routes distantes, mais ce qui manque, par exemple pour le routeur Marrakech, il ne connaît pas 40. C'est-à-dire dans le routeur Marrakech, vous allez créer une route statique, hein, genre IP route 4000. Hein. La même chose dans Tanger, vous allez créer une route statique qui mène vers 30. Ça, c'est une solution possible. Et il est beaucoup plus meilleur que la première parce que en aucun cas on doit désactiver Split Horizon. On va dire troisième solution. Troisième solution, ça reste, on va changer complètement le type de liaison. Donc on a ici, on a travaillé avec type de liaison multipoint, le multipoint. On va utiliser maintenant, exemple, le hub and spokes avec point à point, point to point. Et si vous vous rappelez dans la partie théorique, on a dit que le point à point, c'est chaque PVC avec un sous-réseau. Donc si on a chaque PVC avec un sous-réseau, on n'aura pas ce problème. On va voir par la suite, Inch'Allah, on va faire une deuxième, démonstration avec une topologie hub and spokes, mais à liaison point à point. Mais restons maintenant pour comprendre mieux la logique de multipoint. Le multipoint, c'est ça. Le multipoint permet les caractéristiques. Tous les DTE, ils appartiennent au même réseau. Parmi les problèmes de multipoint, c'est que si vous travaillez avec un protocole de routage, les branches, s'ils n'ont pas des PVC, ils ne peuvent pas se voir. Donc vous êtes obligé de créer ce qu'on appelle les routes statiques. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc si je vais faire un test, c'est pour voir réellement qu'il n'y a pas de connectivité entre les branches. Donc si je vais dans PC, Marrakech, 40, 10, voilà, host unreachable. Son routeur, quand il a reçu le paquet à destination de Tanger, il a rejeté le paquet, tout simplement. Pourquoi? Parce que le routeur Marrakech, il n'a aucune connaissance. Donc si je mets la chaîne IP route, voilà, il a seulement le 20, il n'a pas le 40. Maintenant, je vais ajouter une configuration supplémentaire. Je vais dire au routeur Marrakech comment atteindre le réseau de Tanger. Tout simplement, c'est une route par défaut que je dois ajouter. Donc, IP route. Je suis dans le Marrakech, c'est-à-dire le réseau de destination, ça serait 40. Donc, pour atteindre 40000, qui a le masque 255 255 255 0, il doit envoyer le paquet à qui? Normalement, d'habitude, quand on crée une route par défaut et on a une interface série, je mets directement la sortie, c'est l'interface série. Mais ici non, faites attention, ne faites pas cette erreur, puisque on a un PVC entre Marrakech et Gaza. Donc, le seul chemin que le routeur DTE Marrakech il a pour atteindre d'autres destinations, c'est un seul chemin, hein? PVC, permanent. C'est le chemin qui mène vers Kazan. C'est-à-dire, il doit, je vais dire, si tu veux atteindre le LAN de Tanger, essaie d'envoyer le paquet à Kazan. C'est ça là, la commande que je dois faire. Et Kazan, normalement, il sait comment atteindre 40. Une fois le routeur DTE Casa, il reçoit le paquet à destination de Tanger, il peut l'acheminer parce qu'il a déjà une route qui mène vers le LAN de Tanger. Donc ici, je suis dans Marrakech, je vais mettre l'adresse. Ici, une adresse IP de Casa DTE. D'accord? La même chose, je dois le retour. Donc, puisque la communication, c'est bidirectionnel, communication, c'est-à-dire Tanger aussi, quand il reçoit de Marrakech une donnée, il doit
Il doit savoir aussi comment atteindre pour répondre à Marrakech. Donc, même chose. IP route, maintenant, pour atteindre, je suis dans Tanger, pour atteindre le réseau 30, qui est un réseau Marrakech, 255 masques 0, mais toujours en passant par Kazan. Hein. Tanger et Marrakech n'ont aucun autre chemin pour communiquer, sauf le chemin vers Kazan. Donc je dis à Tanger maintenant, pour pouvoir communiquer avec le réseau 30, tu dois envoyer le paquet au routeur Kazan. Et le routeur Kazan, à son tour, il sait comment atteindre 30. Ici, c'est toujours 10.001, DTE Kazan. Voilà. Maintenant, si je mets un show IP route, voilà, remarquez, il y a une route statique qui vient. Il a complété maintenant la table de routage. Vous remarquez que maintenant toutes les tables de routage elles sont convergentes. Convergentes, c'est-à-dire qu'ils sont stables, ils ont tous les chemins. Donc pour nous, si je veux voir est-ce que les tables de routage elles sont convergentes, je vais compter combien de réseaux j'ai. Remarquez, j'ai le réseau 20, hein, j'ai le réseau 30, j'ai le réseau 40 et j'ai le réseau 10. C'est-à-dire il y a 4 réseaux. C'est-à-dire dans chaque routeur, je dois trouver 4 réseaux. Si dans chaque routeur, je trouve les 4 réseaux, je dis que les routeurs ils sont convergents. Les routeurs ils sont convergents. Show IP route. Dans le routeur Kazan, remarquez, il y a 4 routes. 10, 20, 30 et 40. Dans le routeur Marrakech, show IP route, remarquez, j'ai 4. Donc j'ai 2 directement connectés. J'ai une route 20 qui a été informée par le protocole UIGRP. Et j'ai la quatrième, j'ai complété la convergence de cette table de routage avec une route statique. Voilà, de toute façon, j'ai 10, 20, 30, 40. C'est bon, convergente. Tanger, la même chose. Remarquez, j'ai 4, 10, 20, 30 et 40. Et normalement, pour avoir une convergence dans la table de routage de Tanger, j'ai ajouté manuellement une route statique, c'est ça, 30. Maintenant, on va faire le test entre Marrakech, le poste, le PC. PC2 qui est dans le réseau Marrakech, ping. 40. Tout à l'heure, remarquez, il marche pas. Remarquez maintenant, il y a une connectivité. De même, le PC3. Il peut lancer un ping vers le LAN de Marrakech qui est de 30. 10. Voilà, sans problème. Maintenant, j'ai la connectivité entre tous les LAN. Mais tout ça en passant par Frame Relay. C'est-à-dire toutes les communications maintenant, elles passent par le nuage Frame Relay. Donc, on a commencé par configurer le Frame Relay et après par configurer le routage entre les LAN. Maintenant, on va voir. On va suivre le trajet que va faire un paquet en partant du LAN Marrakech et en arrivant au LAN Tanger. Maintenant, je suis dans PC2, c'est-à-dire LAN Marrakech, je vais mettre trace route. C'est trace route. Normalement, dans cette ligne de commande, ça s'appelle. Ça s'écrit trace, mais dans un routeur ou un commutateur, ça s'écrit trace route. Je vais tracer la route maintenant, je suis dans le PC2 vers PC3. 10, ah pardon, 40. Voilà, essayez de suivre. J'ai lancé le ping de PC2.
vers PC3. Et Trasol, c'est un ensemble de ping. Quels sont les sauts? Remarque. Le premier saut, c'est le routeur. C'est la passerelle de PC2. Après le ping, il serait là. Il arrive à la passerelle, c'est face 00 de Marrakech. C'est ça. 30 001. C'est le premier saut. Le deuxième saut, remarquez, 10 001. C'est-à-dire maintenant, le ping, il va à 10 à Casa. Et de Casa, il va l'envoyer au routeur TTE Tanger. C'est-à-dire, il va de Casa, il va dans le TTE 15, 10 003. Et à la fin, il arrive à 40 au PC 3 qui est dans le LAN. Ici. D'accord. On n'a pas un PVC direct entre Marrakech et Tanger. Donc on a déjà créé un mappage frame relay. Et le mappage, il va directement de Marrakech. Marrakech veut communiquer avec Tanger, il va à Casa. La même chose, le routage, maintenant qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit à Marrakech, pour pouvoir atteindre le réseau LAN de Tanger, tu dois envoyer le paquet à Casa. Donc, toutes les communications, ils vont passer par le DTE Casa qui est considéré ici dans notre topologie comme un hub. Et les autres, ce sont des spokes, les rayons, donc les branches. Mais c'est bon. Donc, on a maintenant notre topologie qui est on a une connectivité entre tous les réseaux de notre connectivité, de notre topologie. D'accord? Pour vous montrer, donc on peut les séances la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire une deuxième topologie. Donc on va créer la même topologie mais à liaison point à point pour voir la différence. Mais une dernière chose, on a parlé de split horizon. Normalement, j'ai dit parmi les solutions je peux le désactiver, mais c'est pas recommandé. Quand même, je peux vous montrer ça. Par exemple, dans Casa, l'interface qui va recevoir les mises à jour. Si j'entre dans l'interface Serial Interface Serial 00 slash 0. Donc la commande c'est new IP split. Voilà, new IP split horizon. Elle dit normalement c'est la commande pour désactiver split horizon dans cette interface, mais RIP. Et ici dans Packet Tracer, normalement, moi j'ai utilisé EIGRP, je dois mettre EIGRP 1. Ça c'est pour désactiver Split Horizon dans une interface qui a EIGRP activé. Mais Packet Tracer n'accepte pas ça. Il accepte seulement Horizon, comme ça. Hein, si je mets. Voilà. Si je mets point d'arrêt, il met ici toujours créé. Hein? Normalement, dans un vrai routeur, vous pouvez aussi désactiver pour EIGRP. Pour avoir une idée de la commande, normalement, c'est, comme j'ai dit, c'est déconseillé. Il faut trouver une autre solution ou bien créer des routages statiques hein, pour recevoir les routes des autres branches ou bien changer complètement de topologie et créer une topologie point à point, à liaison point à point, c'est-à-dire hub and spoke à liaison point à point. D'accord? Voilà, donc je crois que pour aujourd'hui c'est bon donc pour cette démonstration pratique. Et on va se voir, Inch'Allah, la prochaine fois. Est-ce que jusqu'ici c'est bon? Très bien.